Bienvenue à Montpellier. Située à seulement 10 minutes de la mer Méditerranée, Montpellier est une ville dynamique qui offre à ses habitants une qualité de vie idéale. Montpellier est une ville extrêmement dynamique, l'une des plus dynamiques de la région Occitanie, puisqu'il y a un double effet, l'effet mer avec la mer Méditerranée, ses loisirs qui vont avec, mais également l'effet TGV, puisque Montpellier permet de relier Paris. En effet, Montpellier n'est plus qu'à 3h30 de Paris. On a la mer à 10 km, on a une ville jeune avec pas mal d'étudiants, on a des espaces sportifs importants. Le climat, les sorties en plein air, tout ça, beaucoup de soleil. Vous vous éloignez un petit peu et vous avez pas très loin l'Espagne, la mer, la montagne qui est pas très loin non plus, donc ça reste aussi ce côté-là, le cadre qui est très très agréable. Entre Pyrénées et Camargue, Montpellier est une ville jeune et dynamique. On ne peut pas s'ennuyer à Montpellier. Si on adore la culture et les spectacles, toute l'année il y en a. Et particulièrement bien sûr dans la saison estivale ou printanière où il y a quand même de beaux festivals. Un dynamisme favorisé par un réseau de transports en commun important, dont 4 lignes de tramway. C'est assez facile de se déplacer sur des dizaines de kilomètres. Il n'est pas cher, on peut se déplacer à peu près partout facilement. Il est très bien desservi, rapidement. Donc c'est très très pratique de l'avoir. Moi je fais du vélo, donc aussi ce qui est intéressant, c'est toutes les petites cyclables qui vous amènent jusqu'à la mer en plus. Hein. C'est à seulement 7 minutes au nord-ouest du centre historique de Montpellier que se situe le terrain de la future résidence, les terrasses du parc. La nouvelle opération du groupe Caillot, les terrasses du parc, se situe sur la commune de Montpellier. Cette résidence s'implante au sein d'un nouveau quartier qui s'appelle la Zac de Pierre-Vive. En pleine croissance, ce quartier offre aux familles tous les commerces et services utiles à la vie quotidienne. Donc sur cette Zac est également prévu du commerce. Certains ont déjà commencé leur implantation. À terme, la Zac bénéficiera de l'ensemble des commerces et services de proximité. Et le bâtiment emblématique est celui des archives départementales qui avait été dessiné par un célèbre architecte international, Zaha Hadid. Dans un rayon d'un peu moins d'un kilomètre, nous retrouvons l'ensemble des équipements et besoins scolaires par le biais de crèches, d'écoles élémentaires, mais également collèges et lycées. L'écoquartier Pierre-Vive est particulièrement bien desservi. La nouvelle opération du groupe Caillot est facilement accessible par le biais d'un réseau de trams développé, par le biais des lignes 1 et 3, mais également par un réseau de bus et facilité à l'accès de la rocade Montpellier. La résidence Les Terrasses du Parc affiche une architecture résolument contemporaine avec ses jeux de volume et de couleurs en façade. Elle sera idéalement placée en bordure d'un parc boisé. Au sein de la ZAC, notre future résidence bénéficiera d'un emplacement de premier choix, puisque situé en limite d'un espace boisé. Composé de 58 logements, allant du T1 au T3, la résidence offre des prestations de qualité. Les terrasses du parc se déclineront sur 6 étages. Chacun des logements bénéficiera à minima d'un balcon ou d'une terrasse. Des places de parking sont prévues en rez-de-chaussée, mais également en sous-sol. Chaque logement bénéficiera à minima d'une place de parking pour cela. La résidence sera entièrement clos et sécurisée. Pour une vie agréable au quotidien, les occupants pourront également profiter de 2 locaux 2 roues, d'un local fibre optique. À l'intérieur, chaque espace a été pensé pour le bien-être des occupants. Cuisine meublée et équipée de plaques de cuisson vitrocéramique, d'une hotte, d'un frigotop dans les T1 et T2. Les salles de bain sont aménagées d'une double vasque dans les T3. Enfin, des placards aménagés sont prévus dans presque toutes les chambres. Les terrasses du parc ont été conçues pour répondre à la réglementation thermique 2012. Afin d'offrir un confort d'été optimum, un confort thermique et respecter bien entendu la réglementation en vigueur, cette résidence a été conceptualisée afin de répondre à la réglementation thermique 2012. Le planning des travaux a déjà été établi.
Concernant le planning, le permis de construire est aujourd'hui obtenu et purgé de tout recours. Le démarrage des travaux est prévu au troisième trimestre 2017 pour une livraison au premier trimestre 2019.